mon baptême de l'air. Waouh, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. J'avais Génial. 9 ans. C'est Waouh. ça. Bon. Bah, c'est le bouquin que tu m'as dédicacé avec le prix. Et tu t'en souviens comme si c'était Oui, hier. je me souviens du truc, mais là, ce que je me souviens aussi, c'est que je n'ai pas réalisé, si tu veux. Oui, Moi, ce qui m'intéressait en tant que gamin de 9 ans, c'est d'aller jouer avec le ruisseau qui était en bas. Le ruisseau en question, c'est la Maine. Alors, tu penses bien que. D'accord. Trop drôle. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on est môme, en fait, on a forcément une vision différente. Et oui, et surtout en altitude. Moi, je le voyais pour la première fois. Même approcher de cet fois. Avion pour un enfant de 9 ans, ça doit paraître un truc immense, quoi. Oui, et, tu as ça. Mais surtout, ce qui m'avait paru, moi, compte tenu de l'altitude, pour moi, la Maine dans sa grandeur, c'était un torrent de montagne comme j'avais l'habitude, si tu veux. Tu étais originaire de... Oui, je suis vosgien, moi, d'origine. D'accord. Mais c'est vrai, oui, que tout ressemble à un paysage de train électrique. Mais voilà, j'avais pas la notion, si tu veux, de distance. Ah, et... Normal. Bon, écoute, le principal, c'est que tu n'aies pas été malade. Oh. Mais attends, on parlait tout à l'heure de sécurité et tout. Si je refais un baptême de l'air dans les conditions où moi je le fais, je me fais descendre. Parce que ma mère était assise derrière moi, le pilote était devant et j'ai fait tout le vol debout en me tenant au siège du pilote. Génial! Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres! Eh, fais ça maintenant! Oui. Debout. Mais je me fais descendre en flamme, c'est le cas de le dire. Effectivement. Alors celui-ci, il a sa décoration marine, mais ce n'est pas une décoration. Il a repris ses couleurs qu'il avait quand il était à Landvéoc. Ah, ça c'est cool. C'est très cool. Moi j'ai deux amis français qui ont volé ces appareils-là, puis les deux l'adorent de façon démesurée. Je l'ai redécouvert en volant. Je ne veux pas dire que je suis un des pilotes exclusifs, non, mais... C'est certainement celui sur lequel, au sein du musée, j'ai le plus volé. Ah ouais. Je ne parle pas de celui-ci parce qu'il est hors concours, c'est là-dessus que j'ai appris. Comment vous les comparez entre le modèle avec le moteur radial ou le moteur allemand? Je n'ai pas eu l'occasion de voler sur le moteur allemand. Il y en a encore qui volent oui. avec des moteurs. Il y en a. En France, il y en a un chez Jean Salis. Oui, je l'ai vu. Un à Chavenay, c'est pas impossible. D'accord, les ailes peuvent se rapprocher sur le fuselage. Ah. Comment ça fonctionne? Qui s'accroche où là? Ouais, on ouvre ici, oh. Voilà, wow. Hein, pour débrancher les commandes. Ouais. Et ça, on le rabat là-haut, ce qui évite de. Ouais. Et après, ça vient s'accrocher quelque part ici. D'accord. Génial. Est-ce que ça, c'est-tu sur le Fizzler Stork d'origine ou Alors, c'est une modification? Apparemment, la version navale s'était prévue. Ça, ça serait une modification que l'aéronaval aurait fait? Je vais faire un petit paquet de revues. Oui. Pour vos amis. OK.